pêche, la patate en moins, c'est super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Ça fait un peu longtemps que j'en ai pas fait, donc j'espère qu'elle vous plaira. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto qui est comment faire des ascenseurs. En fait, non, c'est plutôt pas un petit tuto, c'est plutôt que je vais créer une série en fait. Dans cette série, c'est une série à Redstone. Et dans cette série, en fait, vous saurez savoir comment créer des choses avec la redstone. C'est logique, hein. Bref. Alors, aujourd'hui, on va commencer par aller sur mon clo H5. Je vous mettrai le lien dans la description du serveur si vous voulez me rejoindre. Alors, voilà, je suis dessus. Alors, après, les autres machines, hein, on les verra après. Donc, déjà de 1, c'est cet ascenseur qui est le plus facile. C'est vraiment le plus facile que j'ai jamais vu. Alors, vous mettez ici, vous mettez au milieu. Hop, 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 hop. Voilà. Alors voilà, c'est comme ça. Donc, si vous voulez que ce soit un petit peu plus facile, bah, je sais pas comment je vais vous le faire. Bref. Alors voilà le numéro 1 des ascenseurs. Maintenant, passons à l'explication. Alors, pour cette explication, nous aurons besoin de redstone, de laine, moi je vais prendre de la laine pour la construction, de plaques de pression, en bois, si vous voulez, mais voilà, d'une barrière, d'un piston collant, si vous voulez, et d'un piston collant. Après, il va falloir de la place, surtout. Donc bref, hop là, on va mettre ces deux-là comme cela. On va mettre comme ça. On va commencer par mettre ces deux-là. Voilà. Donc en fait, je vais vous expliquer la machine. Ah non, c'est pas là. En fait, avec la redstone qui va être reliée aux plaques de pression, quand on va l'activer, ça va pousser ceux-là, mais comme ils seront actifs, ça va pousser les autres qui vont nous mener vers le haut. Et que en nous menant vers le haut, on sera dans les autres plaques de pression. On va activer les autres plaques de pression, etc., etc. Alors après, vous mettez deux sticky pistons, deux pistons collants. Et puis moi, je vais mettre deux pistons normaux, si j'aime bien comme ça. Puis, vous mettez un écart de un bloc. Vous mettez les deux barrières, les deux plaques de pression sur les barrières, c'est très important. Puis vous mettez votre machine. Alors aussi, il va falloir aussi un répéteur, j'ai oublié de le dire au début, mais voilà. Il va falloir un répéteur car ce serait trop long sinon. Donc après, on peut voir un petit test. Voilà. Vous voyez, hein, bon, voilà, ça bug. Bon, ok, ça peut bugger parfois sur cet ascenseur, mais voilà. Donc après, vous faites, etc., etc. Bref, passons au deuxième ascenseur. Pour ce deuxième ascenseur, il sera comme cela. Il sera beaucoup plus petit, mais attention, il y a un seul truc à faire, c'est que c'est déjà, de 1, un glitch, et de 2, il est en 1.9, 1.10. En minimum 1.9 car c'est un glitch qui marche en 1.9. Alors moi j'ai mis du quartz hein, parce que je trouve ça classe. Donc moi je vais me mettre en F5 et hop là, j'ai appuyé sur le bouton, vous voyez, et puis le piston m'a tiré vers le haut et puis il m'a relâché sur lui. Alors maintenant passons à l'explication. Alors pour les explications, il vous fera un piston, du quartz, moi je vais prendre du quartz. Et voilà, voilà, ça. Je vous laisse voir ce que je prends. Hop, hop, hop. Voilà. Alors maintenant, on va faire, ce sera très simple. Hein. On va faire 3 blocs de haut avec votre bloc ici. Et aussi 3 blocs de haut avec un écart de 1 bloc. C'est très important. Puis on va mettre, comme vous voyez, l'escalier et ça. Alors hop, on met, hop, 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 on fait pareil. Ici, en haut de vous, au troisième bloc, vous allez mettre le piston vers le haut, qui est devant
l'escalier. Et l'escalier, en fait, il sert à bloquer, pour pas aller jusqu'au bouton. Voilà. Après, vous allez mettre ici un bloc. Enfin, voilà quoi. Oui. Alors, attendez. Non, vous allez pas mettre un bloc. Oui, c'est ça. Vous allez mettre une demi-dalle, comme vous voyez ici. Puis, vous allez mettre... vous allez mettre un bloc que vous voulez, un piston collant et un autre bloc. Vous allez enlever le bloc pour parce que c'était pour le lever. Et donc après, vous pouvez mettre comme le schéma que je suis en train de vous faire. Hop, il y avait un bloc de derrière sur cette dalle. Donc on le met, on casse ce bloc, on met un répéteur. Alors attendez, tout à l'heure. Puis, vous pouvez plus qu'à tester. Et je me suis fail. Donc, j'ai oublié quelque chose. Ah oui, désolé les gens, mais j'ai mis au mauvais côté le répéteur. Donc voilà, on les a identiques. Et voilà, votre ascenseur marche. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, et aussi désolé pour les bruits de moto, parce que là je suis dans un appartement. Et je suis rentrée dans ma vacances. C'est génial. Alléluia. Ouais, non, en fait, on n'est pas content. Oh, ouais, non, vous vous en fichez un peu. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo. Et enfin, on pouvait avoir une meilleure qualité. C'est alléluia, parce qu'avant, on avait une qualité de... Voilà. Alors, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo. Et puis, on se retrouve à la prochaine. C'était DMC.